Tous les matins, il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon, où tout le monde fait que tousser. Il sait pas très bien d'où il vient, tout ce qu'il sait c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit « Mon gars, t'arrêtes pas ». Mimoun, il a bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant « Toi tu bouges pas, les trucs jolis, c'est pas pour toi ». Qu'il est déjà mort, c'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs, un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit « Mon gars, t'arrêtes pas ». Si la vie s'était posée sur lui en lui disant « Toi tu bouges pas, les trucs jolis, c'est pas pour toi ».